Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne SBV Fight Team. Qu'est-ce que t'as? Franchement, toujours la même chose, toujours la même intro. Tu devrais changer. Bah ça va, mais vas-y, ça change. Ça change. C'est ma signature, mec. Ok, bah vas-y, trouve-moi un truc à dire. Tu vois, t'as mis la patate. Salut les super fighters, j'espère que vous n'avez pas eu besoin d'utiliser nos techniques. C'est mieux comme ça. C'est mieux. Ok, on peut qu'est-ce que c'est? C'est une méthode moderne qui mélange la puissance et l'explosivité du MMA et des sports pieds-points avec la fluidité et la vitesse du Kali que j'ai monté avec mon ami Milou Trali. Ça va comme ça quand même? Bon, si jamais notre intro vous va, vous nous dites, vous faites un petit commentaire et si vous voulez qu'on change, on la changera. Mais voilà, maintenant restez avec nous, c'est parti. Ok, sûr. Donc dans un premier temps, essayez de saisir. Je choque au niveau de la gorge. Hein. Ensuite, j'enchaîne coup à la poitrine. Je vais tout partir. Hein. Et je pousse. Voilà, je pense que ça suffit. Hein. Une personne qui vient de manière super agressive, énervée et vous menace, donc vient ou pour mettre un coup ou peut-être pour vous attraper, ou tout simplement se rapproche trop de vous et qu'il est énervé, va rien que le fait de mettre une bras tendu dans la gorge, ça va calmer. Et aussi un autre outil, si la personne, vous sentez qu'il est vraiment super agressif, très menaçant, et qu'il vient de loin, vous y allez, et bien tout ce qu'on va faire, c'est juste ça. Ok? Vous allez mettre juste un coup de pied dans les parties, c'est fini. À partir de là, s'il n'est pas KO, ben vous finissez, et voilà. En plus, vous n'êtes pas trop blessé. Et pour moi, c'est la meilleure technique pour tout, quand le mec il vient de loin, pour tenir à distance et l'empêcher de rentrer dans votre bulle de sang. Parce que c'est radical. Et même un mec qui s'appelle Bob Tyson Badrari, on le fume! On est parti pour l'explication. Alors là, donc je suis dans un garde déguisé, un garde masqué. Bon, c'est comme ça que je fais. Au moment où il vient rentrer derrière pour me saisir, je vais bloquer le bras. Et je vais mettre une main au niveau de sa nuque qui pousse là. Mon bras, il faut qu'elle soit ouverte, tendue, un petit peu bien durcir ça. Et je pousse vers l'arrière. Et là, en fait, il peut faire ce qu'il veut, il avance, pousse. Je le maîtrise, mais vraiment, je le contrôle. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour ceux qui font du Muay Thai ou du MMA, qui font de la lutte, parce que c'est super efficace. Ensuite, une fois que je suis là, je viens abaisser sa main, je le pousse, et j'ai plus qu'à le maîtriser vêtement et le tirer le plus rapidement possible pour choquer vers le bas. Ensuite, une fois que je suis au sol, pour le maîtriser, je vais mettre mon genou sur sa tête et je vais me lever. Donc là, je ne vais pas trop faire parce que ça fait super mal. Et sa deuxième main, je vais être là. Ce qui fait que je peux frapper, je peux prendre mon téléphone pour appeler la police ou les secours. En tout cas, je suis encore disponible. Et ça me permet aussi de voir ce qui se passe aux alentours. Si je veux me relever, je vais me relever de manière super rapide. Et si cette technique vous paraît trop compliquée et que vous voulez essayer une autre, bah, une fois que je l'ai bloqué, je l'ai empêché de rentrer, je vais tout simplement mettre ici un genou. Rappelez-vous, les refonnets, c'est un des meilleurs moyens. Coup de genou. Et à partir de là, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre ma main, qui était là, je la sors, je prends sa tête et je vais tirer ma main. Je pousse, on rebelote, on le maîtrise au sol, j'appuie bien sur sa tête et je le contrôle et je vois tout ce qui se passe. Je peux le palper. Donc maintenant, votre agresseur, il vient vous sautez dessus pour vous amener au sol, un peu façon comme un plaquage de rugby, ou un même au sol façon MMA. Donc là, vous avez les mains un peu rappelées de votre garde, un peu bunker. Et là, allez, je vais juste simplement tendre ce bras, et l'autre main vous lève la nuque. Voilà, et à partir de là, je vais vraiment me maîtriser. Et comme tout à l'heure, je lève ce bras, avec ma main, je vais pousser sur sa tête, et je vais tourner, je vais me mettre ici. Voilà, on l'a mis au sol. Franchement, vous allez voir, c'est super, super facile. Et surtout, c'est très efficace. Bon, après, c'est comme tout, hein. À vous de le travailler, à vous de l'automatiser, puis une fois que vous l'aurez, chaque fois que quelqu'un va voir ici, donc on va là, et je fais juste ça. Là. Si d'un autre côté, boum, je viens là et rebelote. Je monte, là je pousse, je viens de tomber ici, et il va tomber de manière super simple. Et après, les autres défenses que vous allez avoir sur une gamme au sol, bah, ça va être la technique de MMA, c'est les sprawls, donc j'ai fait une vidéo, je mettrai le lien à la vidéo pour que vous puissiez voir. Alors si vous voulez nous encourager à continuer à faire des vidéos, surtout ne laissez pas de commentaires, ne laissez pas de pouces bleus, ne vous abonnez pas, restez comme ça, et maintenant, à vous de jouer!